Super. Madame le maire, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, c'est pour recevoir le prix. Oui, mais là, c'est une vidéo sérieuse. Ah, vous croyez qu'il faut que je me change? Oui, ce serait mieux. Bon, ben, ok. C'est parti. Eh ben, c'est parti. Bonjour et bienvenue au Centre hospitalier Sud-Essonne. Implanté dans les villes de Dourdan et Étampes, le Centre hospitalier Sud-Essonne compte près de 40 unités et services, environ 1200 agents et plus de 365 notes de service et ou d'information par an. L'idée des capsules RH est partie d'un constat simple, celui qu'on avait du mal à bien communiquer en matière de gestion des ressources humaines à l'hôpital. Donc, on a décidé d'innover, de sortir du cadre et de faire quelque chose de simple, de direct, d'attractif, de ludique, tout en étant au fond très sérieux. Donc, nos vidéos, elles sont construites en deux parties. On a choisi de faire une première partie face caméra qui permet d'humaniser nos vidéos, qui nous permet aussi de nous rapprocher de notre public et aussi de leur donner cette accessibilité pour venir vers nous. On a choisi de mettre en arrière-plan différents lieux de notre établissement. Ça nous permet de le montrer à l'extérieur et ça nous permet aussi de faire un petit jeu de piste à nos agents. Ça nous donne l'envie et l'opportunité de montrer ce cadre verdoyant, nature du Sud-Essonne. La deuxième partie est faite d'un petit film d'animation. Elle ajoute de la modernité et un côté ludique très apprécié. Illustrer les explications permettent de mieux assimiler les notions complexes. Les capsules RH permettent une compréhension simplifiée de la gestion du temps de travail pour tous les professionnels du CHSE. C'est également un outil utile pour les cadres de santé qui est facile à partager via les réseaux sociaux. Technique qui a très bien fonctionné, notamment en période Covid. Ça m'a aidé, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses au niveau des RTT, au niveau des congés annuels, au niveau... Les explications sont très claires et ça m'a aidé à comprendre. Nous sommes au 21e siècle. Il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps de lire parfois une communication affichée. Ils n'ont pas le temps. Mais ils ont le temps de rentrer sur Facebook. Et pour moi, YouTube, j'écoute souvent, je suis un amoureux de la musique. Et avant d'écouter une musique, dès qu'il y a l'apparition d'une nouvelle capsule, ben je l'écoute et j'apprends. Et les capsules, pour moi, ça résume tout. Parce qu'on entend. Donc, c'est une communication qu'on peut écouter. On voit. C'est une communication qui est visuelle. Et il y a des petits mots qui apparaissent. Donc, on peut lire. Moi, je conseillerais à... Pas à moi, mais aux autres et même à d'autres établissements d'utiliser ce modèle de communication qui, pour moi, est très efficace et très rentable. À ce jour, nous avons déjà publié plus de 57 capsules RH qui sont toutes consultables sur notre chaîne YouTube et nous avons encore de très nombreux sujets à aborder. Eh bien, ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. Nous remercions de tout cœur la MNH, l'adresse et la FHF. Monsieur Miss, notre chef d'établissement, l'ensemble de l'équipe de la DRH et des affaires médicales du Centre hospitalier Sud-Essonne, l'ensemble du personnel du Centre hospitalier Sud-Essonne, tous ceux qui suivent nos capsules et qui sont abonnés à la chaîne YouTube, nos enfants, qui sont une source permanente d'inspiration. Les haters aussi, Elodie, les haters, parce que les haters, ils n'aiment pas nos vidéos, mais ils regardent quand même, on n'a pas trop, mais oui. Quand ils regardent, merci Madame le Maire. Donc là, nous avons atteint nos 3 minutes. Vous allez pouvoir dire tout cela en direct. Et je vous dis à bientôt. Et abonnez-vous.